Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Death Stranding avec l'épisode 18, comme d'habitude. Installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire et à manger. On va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. C'est parti, direction le monde des échoués, en espérant en apprendre beaucoup quand même. Allez, on est directement de retour. Souvenez-vous, on avait échappé à des mules dans une ferme. Vous étiez nombreux à commenter les dernières vidéos et me dire qu'à l'avenir, j'aurais de quoi désactiver les balises. Mais en attendant, certains me proposent de retenir la respiration sur les balises. Je vais être très honnête avec vous, j'y crois pas trop. Je pense pas que ça fonctionne, mais on essaiera. Eh, ça vaut le coup d'essayer quand même. En attendant, on va faire notre petite livraison. Livrer la marchandise demandée. C'est parti, livraison de grains. Merci. Bridges a toujours été là pour nous. Amélie était une amie proche autrefois. Elle a vu l'intérêt de ce que nous faisions et a dirigé les opérations pour mettre notre ferme en état de fonctionner. Nous attendons de pouvoir rejoindre le réseau chiral depuis longtemps. Et si on jetait un œil au blé que vous avez apporté? Eh ben, vous nous avez vraiment apporté tout ça? Mais comment avez-vous fait? Oh, merci. À savoir qu'Amélie est donc ma grande sœur et qu'elle est moins âgée que moi maintenant parce qu'elle ne vieillit pas, elle est enfermée. J'ai hâte de voir à quoi elle va ressembler quand on va la retrouver. Quoi qu'il arrive, évidemment, arrêtez, il n'y a pas de suspense, il n'y a plus de suspense maintenant. C'est un S qui part très très vite. On a débloqué une nouvelle musique, je crois, si je ne m'abuse. Et c'est directement 2,5 étoiles. Un ou plusieurs bots ont terminé leur livraison et sont désormais disponibles, s'il vous plaît. Ça, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu par la même occasion. Hop, allez, on livre tout. Obtient tous. Un meilleur score A. Bon, hey, c'est pas mal. Ça nous permet quand même de monter. Ça fait un trophée. La révolution. On ne saura jamais la suite de ce trophée. Déménageur éminent. Niveau 141. Et on prend encore des petits niveaux à gauche à droite. Là, pour l'instant, on a pris deux niveaux. C'est plutôt pas trop dégueu, me semble-t-il. Pas mal, ça. Au fait, vous ne connaîtriez pas Fragile par hasard? Si vous la voyez, transmettez-lui un message de notre part. Dites-lui... Mange tes morts. Merci de nous avoir sauvé la vie. Ah. Si elle n'était pas intervenue, l'Orée du Sud aurait été rayée de la carte. Et notre ferme avec. C'est une héroïne. Vous pouvez lui répéter ça aussi. Ah oui, le réseau. Vous croyez pouvoir nous connecter? Petit amateur. Allez, ça c'est une très très grande partie de la région qui a été déverrouillée et on avance encore. Ferme de précipitation a rejoint les UCA. Oh, bah Sam, voilà. Je suis sûr que des mules vous ont déjà détroussé après avoir localisé votre marchandise. Eh bien, pour éviter que ça ne se reproduise, on a perfectionné votre propre scanner de marchandises. Eh ben on en parlait, incroyable. Disons que vous êtes sur le point d'être incroyable. Si vous agissez à temps, vous pouvez retourner le compliment et remplacer leur signal par le vôtre. Ils ne seront pas plus avancés et vous reprendrez votre route tranquillement. Mais le timing est crucial. D'accord. Donc c'est une histoire de timing, on verra un petit peu sur le terrain comment ça fonctionne. On en parlait et incroyable mais vrai, ça vient pile poil pour cet épisode. Eh ben on a notre réponse. Cette zone est désormais connectée au réseau chiral. Ah, oh, merci. Ils sont mignons. Maintenant on va vraiment pouvoir utiliser les précipitations à notre avantage. Notre ferme sera une première mondiale. Le fait est qu'on a quelques champs d'essai. Mais sans la possibilité de prévoir les précipitations, les résultats n'ont pas été extraordinaires. Les précipitations étaient plutôt régulières par ici, alors on avait une idée assez précise des moments où il fallait planter et récolter. Mais ensuite, les terroristes ont tout déréglé. Trop de morts, trop de cratères. La météo est devenue complètement imprévisible. Heureusement, grâce au bulletin du réseau, on devrait pouvoir se remettre sur les rails. Si tout se passe comme prévu, on pourra étendre nos opérations et utiliser les précipitations pour cultiver de grandes zones de terre.
On va aussi poursuivre nos recherches en génétique, bien sûr, et essayer de trouver une façon d'aider un écosystème durable à se développer. Peut-être même qu'on trouvera quelques réponses sur les précipitations au passage. On a du pain sur la planche. Mais je suis prêt à relever le défi. Merci encore, Sam. Vous nous donnez l'espoir d'un avenir meilleur. J'ai hâte d'en être à la récolte. Vous êtes sur la bonne voie. On est à mi-chemin. Vous pouvez y arriver. Oh, voyez-vous ça? Vous venez tout juste d'intégrer la ferme à précipitation au réseau, et on a déjà de nouvelles commandes. Autant tirer parti du voyage retour. Quoi? Comment ça, le voyage retour? Attendez, I don't d'accord avec ça, moi. Hein. Oh, c'est embêtant. C'est très embêtant. Déjà, on va livrer les... Attendez. Non, faire une livraison. Bah oui, abusez pas. Ça, régale-moi. Régale-moi, on redonne tout immédiatement. On va se régaler. Je veux monter un petit peu de niveau. Parce que là, je régale tout le monde depuis le début. Ça commence à devenir un petit peu chiant. Vous étiez nombreux aussi à me dire, B-Boy. T'as beaucoup trop de grenades sur toi. Je suis d'accord. Ça fait beaucoup de caisses. On va en vider beaucoup. C'est vraiment parce que c'est vrai. Sinon, je l'aurais pas pris. Allez, c'est parti. Bon, ça, c'est quoi? C'est aucun rang. Tout simplement, parce que ça a été transmis à d'autres. Mais ça reste quand même de l'XP. Regardez, c'est du plus 80. La marchandise a été confiée à un autre joueur. Normalement, ça devrait faire des petits points-points. Voilà, regardez. Hop, plus un niveau en divers. Et ça, c'est pas mal. Merci à vous. Ok. Très, très bien. Accepter les commandes. Commandes standard, pardon? Oh non. Oh quoi? Non, vous abusez, les frères. Bon, bah go. Go, je trouve que vous abusez un petit peu, c'est pour Fragile. Ok, j'ai une échelle, j'ai une encre, CCP de niveau 2, on peut s'en faire un. On peut totalement s'en faire un. Voilà, aucun souci. J'ai des poches de sang, j'ai ce qu'il faut, moins 80. On est très très bien. It's ok, on peut partir. Let's go, on repart directement à la base. S'il se passe rien, ben je vais pas vous le montrer. J'ai pas envie de vous faire souffrir. J'ai envie que vous m'aimiez avant tout. Attendez, il y a quoi là-dedans? Je ne sais jamais sur un malentendu. Il y a strictement rien. Hop, ça dégage, mange tes bords. Faire une livraison. Par contre, niveau électricité, je suis pas bien du tout. J'ai normalement, par contre, de quoi retraverser. Ah putain, oui, c'est... 2200 mètres. Allez, on est parti. S'il se passe rien, ça sert à rien que je vous le montre. Parce que ça sera éclaté, tout simplement. Allez, on se retrouve directement là-haut. On va vous faire économiser du temps de vidéo. Allez, plus que 184 mètres. Et nous sommes arrivés. Et ça, c'est Sugoi. C'est moi qui te le dis, mon petit pote. On va escalader ça. Allez, le chariot, tu follow, frérot. Voilà. Ok, on est juste... Oh, mais on est très bien. Il y a ma petite moto. Il y a ma petite moto. Attendez, bougez pas. Ça, c'est direct sur le dos. Voilà, on ramène des choses en même temps. Hein. Regardez, il y a Alliage. Et c'est pas le groupe de musique. C'est un colis. Alliage spéciaux, je prends. Voilà, il take it. On va récupérer la petite moto. Moto des familles. Mes couilles, hein. Transporteur flottant. Ah, bah oui, forcément. Elle a l'air endommagée, la moto, là, non, quand même. Donc, c'est parti. Direction refuge. Oh, Sugoi, il y a des gens. Il y a des gens. Et ça, c'est très Sugoi. On est à 100 mètres du refuge. What? Attendez, on parle peut-être pas du même refuge, non? On parle peut-être pas du même refuge. Yo, les gars! Aïe! Oh, merde. Oh, shit. Abusez pas. Ça va? Ça, c'est pour toi. Voilà. Tu me donnes un truc, gros? Non? Et toi? Oh. Oh ouais. Ok. Et toi, mon frérot? Vas-y, donne. Donne. T'avais tendu un truc, tu vas le donner? Non, tu veux plus? Tu regrettes? Ok, il veut plus. Il veut plus. Je devais avoir le choix, à mon avis. Très bien. Allez, on va tout ramener. Et Zébardi, c'était un enfer. Hein. C'est pour retourner là-bas. Je fais un peu se foutre de la gueule du monde. Oh, c'est chiant. Allez. Chiant chariot, hein, finalement. Ok. On va changer de chaussures par la même occasion. C'était très très chiant. Voilà, je vais être très honnête avec vous. C'était très très chiant de faire tout retour. Le bébé gazouille. C'est normal. Faire une livraison. Non, attendez. Avant...
On va livrer la marchandise perdue, évidemment. Voilà. Ça, c'est une bonne chose de faite. Ok. Ça fait des petits points ou pas? On va vite faire. Hein. J'ai perdu carrément une demi-étoile. Je crois qu'il n'a pas été super satisfait des services. Agile, t'as intérêt à me régaler. Une petite cinématique, quelque chose, s'il vous plaît. Ça ferait plaisir. Alors, vous vous en êtes sorti? Tout ça pour des bières, putain. Ça a l'air comme neuf. Je vous bah tire ouais. Mon chapeau. Tu vas te faire des sacrées soirées hein, pendant que moi je me fais enculer sur le champ de bataille. Hein. Bah ouais mon pote. Allez, c'est du S. Hein. C'est du S ou rien d'autre. Hein. Parce que là, je veux pas... Bien sûr. Je veux pas le savoir. J'ai juste tracé mes longs morts. C'est un jeu où tu peux te permettre littéralement de tracer des longs morts. Donc fais-le, frère. Ne pose pas de questions. Bon, prenez soin de vous. Allez, salut mon pote. Bon, qu'est-ce qu'il va me dire encore? Au travail. Nouvelle commande disponible. Oh, veuillez accéder shit. Au terminal de livraison pour plus d'informations. Ok. Terminal de livraison. Vas-y, régale-moi ou pas. Attendez. Livrable par bot. Bah oui, s'il vous plaît. On peut livrer des pesticides? On peut livrer des pesticides. Ça me paraît pas mal. Allez, dégage, je veux plus te voir. Voilà. Bonne chance, hein, mon pote. Hein, parce que t'es bien mignon. Oh, damn! T'es bien mignon, mais tu vas te faire dézinguer. Hein. Je reviens de la ferme, hein, c'était terrible. Hein. Mais bon, il chante, il est heureux, il se fait son petit kiff, c'est le principal. L'important, c'est d'aimer, de tout donner. L'important, c'est d'y croire sans s'en apercevoir. On adore, évidemment. J'espère que vous avez trouvé de qui ça vient. Acceptez les commandes, c'est parti, let's go. Urgent, c'est chiant. C'est très, très chiant. Oh, bon, ça va, c'est l'un à côté de l'autre. Allez, on les prend, évidemment. Let's go. Bon, on va essayer de faire ça en moto. On va se reposer et on est reparti. On va livrer les deux choses et on va pouvoir mettre fin à cette vidéo incroyable qui aura duré une heure, mais vous n'aurez que 25 à 30 minutes sur YouTube. C'est ça la beauté du sport. Pourquoi je peux pas rentrer dans une... Ok, tu m'attends là? Merci, tu dégages, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Non, vous êtes pas cool? Bon, ok, écoutez, c'est pas grave. J'ai pas besoin de batterie. Si je pique une petite moto à côté, ça devrait le faire normalement. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et là, c'est direction normalement une nouvelle région. Oui, ça devrait le faire. Ici Fragile. Ouais, Fragile. Bien qu'il se fasse maintenant appeler le ferrailleur, votre client travaillait avant dans les communications en tant que réparateur. Il pouvait tout réparer, de simples réseaux sans fil jusqu'aux composants intégrés du réseau civique. C'était un homme bien, et c'était un plaisir de faire affaire avec lui. Et après l'attaque du côté de la ville relais du Sud, il était plus le même. Je peux pas lui en vouloir. On lui a donné un paquet de raisons de se méfier de nous. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je ne suis pas peu fier et pas peu fâché. C'est à 900 mètres et je peux pas... Pourquoi? Ah oui, ouais, je sais, je vois arriver. Allez, frère, fais un effort, putain! Et hop, ça dégage. Voilà, hop, j'en ai plus rien à branler. Très bien. On va faire quoi? Marchandises, organiser. Ouais, c'est toute une organisation, c'est terrible. Hein. C'est toute une organisation, c'est terrible. Vous savez quoi? Et j'en ai rien à foutre, je vais me reposer. Comme ça, ça va remettre les batteries. Ça va tout remettre à fond. Donc, go se reposer dans la chambre privée. Je vois pas pourquoi je m'en priverai. Let's go. Moi, je ne peux pas, en fait. C'est incroyable. Non, on se fout ma gueule. Faites bon voyage. Je ne comprends pas. Et même ça, je peux pas, c'est ça? Ah si, ça je peux. Ok, allez, the body. The world is show, the world is show. Hop, voilà, hop, il n'y a plus personne. Bon, on va par où, les amis? Eh ben, on va par ici. Allez, 1000 mètres. Allons-y, let's go. The body, les amis. C'est le premier trajet que vous voyez. J'ai souffert, hein. Il y a eu 30 minutes de record qui ne seront jamais utilisées, je peux vous le dire.
Qu'est-ce qu'on a là? Un réalisateur. Putain, ça tient dans une petite boîte. Si j'avais su. Oh bah dis donc, je serais pas venu. Ok. Ok. On est reparti. Ok, il y a des moules. Il y a des putains de fucking moules. Ok, évident, évident, évident. Destination ferrailleur. C'est lequel quand on y pense qui est urgent? Et destination réalisateur. On va souffrir où? Ok. Et lui, c'est la commande urgente. Et bon, on va souffrir au ferrailleur. Direction à droite. Allez. Allez, on y va. Accrochez vos ceintures. Ce soir, c'est de la moto. Pardon. D'accord. Attendez, attendez, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Peu chère bonne mère. Qu'est-ce que c'est que ce panneau? Très bien. Bon, attendez, personne, moi je vous le dis. Hein. Là, ce soir, personne va me casser les couilles, ok? Donc, c'est directement une échelle qu'on va utiliser. Attends, je suis débile si je fais ça. Je sens que c'est mon côté débile là qui remonte. Je suis quasi sûr. Wow, calme-toi. Je suis quasi sûr. Quasi sûr qu'on peut utiliser une échelle. Cascade! Ben ouais, mon pote, ça passe. Attends, quoi que là-bas, peut-être. En vrai, là-haut, hein. Allez, c'est chiant, moto de mort. En vrai, là-haut, hein. Quasi sûr qu'on peut utiliser une échelle, quand même. Allons, on y va! On va passer par là. Ouais, c'est... On va passer tranquillement ici. Plus rien à foutre. Ah oui, d'accord. Ok, matez ça. J'ai plus de batterie, etc. J'ai plus de batterie avec ces conneries. Vous êtes là ou pas? Je tente. Allez, hein, on est là pour découvrir le jeu ou pas? Yo, mon bro! Comment ça va, mon frère? Et ben voilà, bah j'ai assez découvert. Pourquoi? Bah parce qu'on regardait ce qui se passe. Tiens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Non. Ma vie n'est que souffrance. Très bien. C'est parti! Ouais, c'est parti! Ok. En vrai, j'ai confiance. Ok. En vrai, j'ai confiance. Vite d'être quand même. Oh, y a des trucs ici quand même. Ça serait dommage de pas se régaler. Cette moto elle est perdue à tout jamais. Hein. Ouais, il y a totalement des trucs. Bon, regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus d'échelle. Oh, tu rigoles.
rigole là ou pas? Non, même pas besoin, frère. Attends. Même pas besoin. 300 mètres, même pas besoin, mon pote. Allez, salut mon gars. J'ai toujours pas compris comment counter ces putains de détecteurs. Mais à moins que les mules aillent de l'autre côté, je vois pas comment ils peuvent. Bon, j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie, mais ça tombe très très bien. C'est pas bien grave en soi. Il me reste un CCP. Franchement, ça en est grave bien sorti. Je vais livrer le matos. Et aucune putain de galère. Let's go de ouf. Let's go de ouf. Eh, c'est stylé ici, hein. On dirait qu'on est sur Mars. Je suis déjà allé sur Mars. Allez, hein. Ma vie est nulle. Ma vie est actuellement à zéro. As-tu un plan dans la vie? Oui. Tenir en équilibre. Ok. C'est pas grave, regardez. Regardez, on s'est même régalé en vrai. On s'est même régalé. Voilà, bienvenue sur Mars, ça fait plaisir. Bon, par contre, là, c'est chiant. Vraiment que t'apprennes à tenir debout. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens. Attends, mais gros, mais qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Bon, attends, on va tout ramener. On va tout ramener. Ok. Let's go! On ramène tout! Faire une livraison! Eh, tiens, prends tes vieux composants de mort, là. On lui ramène ça parce que c'était urgent. Et on va ramener le reste tout à l'heure. Enfin, dans le prochain épisode, surtout. Mais là, on va tout récupérer. Je sais pas c'est quoi, mais... Rien à foutre, hein, c'est gratuit, hein. Oh, sous gueule. Bizarre, ça. Ouais, ça, on m'arnaque pas, hein, c'est une vidéo, hein. Il a passé un bail, hein. C'est quoi, ça? Mister Egg, ça fait peur, frère. C'est creepy de ouf. Ok, c'est creepy de ouf. Ça fait longtemps que t'es plus là, ma chérie. Tout ça à cause d'abrutis de terroristes. Et de leurs potes de chez Fragile Express. Sans parler des connards de Bridges qui ont foutu un coup de pied dans la fourmilière. Enfin bref, voyons la marchandise. Vous avez été rapide? Ben c'est normal après tout. C'est votre boulot, non? Ok, t'es une salope, toi. Je reconnais ça. Allez, ça dégage. C'est du S, s'il vous plaît. Eh oui, c'est du S. Évidemment que c'est du S. Pas mal. Ça fait plus un niveau en délai de livraison. On est très, très bien. En ce qui me concerne, vous, les porteurs, vous valez pas mieux que les terroristes. Tous autant que vous êtes. Pas très gentil. Dites ce que vous voudrez. Vous me ferez pas changer d'avis. Alors dégagez de ma vue, vous et votre cupidon. Qui est on ne peut plus clair. Je pense que si on veut gagner la confiance du ferrailleur, il va falloir qu'on découvre ce qui est vraiment arrivé à cette femme dans l'hologramme. Apparemment, il pense qu'elle est morte dans l'attaque. Mais on a consulté les archives de la ville relais du Sud et on n'y a trouvé aucun certificat de décès correspondant à sa description. Mais je m'en branle d'elle. C'est pourquoi j'ai demandé à Fragile de mener sa propre enquête. Hey Sam, je parcourais la base de données de mon ancien client, juste au cas où je trouverais notre fameuse femme mystère. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé un résultat très proche. Visage et voix. Elle est toujours vivante. Notre amie ferrailleur la pleure pour rien. Toutefois, je doute qu'il nous croit sur parole. Attendez, il vient de publier une nouvelle commande. Il essaie sûrement de nous déstabiliser. Le mieux est encore de vérifier le terminal de livraison pour voir ce qu'il veut. J'en ai rien à foutre de ce qu'il veut, putain les gars. Acceptez une nouvelle commande, personne. Enculé. Ok. Accepter commande, vas-y frérot. Et faut que... What? Faut que j'aille où? Collecte de vieux composants. Mange tes morts. On verra ça plus tard, hein. On reviendra, j'ai d'autres trucs à livrer juste avant, frérot. Comme, par exemple... Ah mais là, c'est trop critique, là, je vais canner en fait. Je vais canner de ouf. Il me faut un CCP niveau 1. J'ai...
Ah ouais, mais je suis mort en fait. J'ai déconné. J'aurais dû m'installer avant. D'accord, ok. C'est même pas. Même si. Ah ouais, non, ça sert à rien. Je vois pas comment on va faire. C'est à combien de mètres? C'est à 11 mètres? Non, pardon, l'autre c'est à combien? 500 mètres? Je vois pas comment on va faire. Je suis en dehors de tout truc qui râle. À moins d'aller voir le réalisateur. Et encore, s'il y a rien, ça va être une galère de ouf. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va poser les deux choses que j'ai récup. Ouais, ça. Ça. Et ça. C'est totalement un enfer. Décharger. Voilà. Ouais. On va faire les 500 mètres à l'arrache. Hein. Lâche-moi ça. On va faire les 200 mètres à l'arrache parce que je vois vraiment pas. Non. Mais ouais, putain. 450 mètres. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Dans la brume comme ça. Eh ben écoutez. Oh, j'aurais dû recharger. On va essayer d'aller jusque là-haut. Et puis si on n'y arrive pas, que Dieu nous protège les amis. Hein. Parce que là, je ne vois point. Ok, c'est par là-haut. Allez. Allez, je peux pas courir. Heureusement que c'est de la descente. Ça ride un max. Je suppose qu'il y a des échoués. Non, pas forcément. Oh, on dirait pas. Et bon. On est parti. On va s'arrêter pile poil devant notre bunker si on y arrive vivant. Je savais que j'aurais dû recharger. J'ai plus de bottes. Y'a rien qui va nulle part. C'est terrible. Mes batteries sont littéralement explosées à plat. Aucun moyen de recharger parce que pas de réseau qui râle. Donc on y va. On y va à l'ancienne. On marche. Je sais que c'est pas le plus passionnant. Finalement, c'est que ça le jeu. C'est marcher. Je vous avoue que niveau action, c'est pas encore trop ça. Oh, shit. Oh là là. Oh là là. Plus de batterie, plus rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok, je crois voir le refuge. Ça va être une longue marche, hein. Ça va être très très chiant. Je suis là. J'ai l'air d'y avoir personne. Voilà, bienvenue hein, dans un champ de souffrance. Voilà l'histoire de ma vie sur ce jeu. C'est de la souffrance, tout simplement. Le plaisir de souffrir, le plaisir d'aimer. Mais le plaisir de livrer quand même. À livrer des matériaux de réparation. Merci mon bro. Merci. Même si je m'en soucie pas trop pour l'instant. Parce que je pense que je vais pas tenir bien longtemps. C'est un enfer. Je reconnais totalement. Ouais. Putain, tiens debout gros, abuse pas. Allez. Allez, on a fait la moitié. Non mais c'est abusé, putain, il tient pas debout même quand il est tout droit gros. Oh, il me faut de l'énergie, allez. Faut que je raccorde au réseau chiral, hein. Moi je vais pas faire le reste du jeu comme ça les gars, hein. Je vous le dis direct, hein. Moi sinon je coupe le jeu, fin de let's play, hein. Ça va me casser les couilles ça aussi, hein. Les gars vous êtes mignons mais si vous mettez pas de chargeur ou rien pour prévenir. C'était limite. Eh oui c'était limite, je sais mon gros. Mais là tout le monde souffre. Oh là là, putain j'ai l'air d'un connard, je peux pas courir, je peux rien faire. En plus, normalement, je suis équilibré, devrait pas y avoir trop de soucis. Allez, un tout droit, j'en ai rien à branler. On y va! C'est de la souffrance, les amis, c'est de la souffrance. Sachez pour votre gouverne
que je suis à 1h05 de record, ce n'est pas une blague. Et vous allez sûrement voir que 25 ou 30 minutes, c'est d'autant plus horrible. On dirait que ma batterie elle se recharge, mais pas du tout, que nenni. Que nenni. Allez, je crois qu'il pleut presque plus. Allez, hein, fais un effort. Je crois qu'il pleut presque plus. Quelle souffrance, putain. Ça, je vais vous le mettre en vidéo, hein. Je veux que vous voyez la souffrance. Hein. Voilà, il pleut plus. Vois quelque chose, crétin. Attendez. Mais non, je vais pas voir, mon pote. T'as cru qu'on était... Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Identifiant oh. Agile Express confirmé. Allez, hein, vos bunkers. Hein. Installez-vous bien dans... Désactivé jusqu'au départ. Marchandise confirmée. Merci. Et ben voilà. On va s'arrêter là. On va souffler parce que c'est que de la souffrance. Allez. N'oubliez pas... Oh, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Quelle souffrance.